Hi everyone, my name is Eva Barilaro. Je m'appelle Eva et vous avez probablement vu cette fameuse vidéo ou pas, où mon chéri me rase la tête et ensuite me surprend en se rasant la sienne. So yes, in this video you've probably watched, or maybe not, my boyfriend shaves my head and then surprises me by shaving his own. So many emotions, right? So you were so many to ask me to do some more videos, but because it's not my job, neither my full-time activity, vous avez été vraiment nombreux à me demander de faire d'autres vidéos, mais c'est pas mon métier, je fais plein de choses à côté, je prépare encore certaines épreuves dans le cadre de mes études. Donc du coup, j'ai décidé vraiment de faire une vidéo en particulier. I decided to do one video in particular because this one is something that is really important for me, to me. C'est vraiment quelque chose de très important pour moi qui me tient énormément à cœur. Vous m'avez demandé de vous expliquer que vous ayez des cheveux ou non, comment est-ce que je mettais mon foulard. You asked me having hair or no hair, how I was tidying my scarf. So here's the video on which I'm going to show you how, and I'm so happy to be here to explain you because it can be a fashion accessory. I mean, you don't have to not have hair to do it. Je veux dire, c'est un accessoire de mode pour moi et ça devrait l'être pour vous aussi. Je jure que vous avez une alopécie ou vous n'avez pas d'alopécie, que vous fassiez de la chimio ou pas, que vous ayez, je sais pas, une coupe afro ou je sais pas, ou pas beaucoup de cheveux, mais peu importe en fait, ça peut être joli. Et honnêtement, je trouve qu'aujourd'hui, c'est vraiment un accessoire important, le foulard. D'ailleurs, vous allez le voir dans la plupart des boutiques de luxe, on peut voir chez Gucci, chez Louis Vuitton, les mannequins portent ce genre de foulard sur la tête. You can see in many luxurious brands, you can see the mannequins wearing scarves on their heads instead of wigs. Donc, why not? Pourquoi est-ce que nous aussi, on ne pourrait pas l'utiliser? Donc alors, tout d'abord, il vous faut deux accessoires super importants. So you will need two very important accessories. First of all, you will need, of course, a scarf. I mean, je veux dire, avoir le foulard en premier, dont les deux accessoires dont vous aurez besoin, c'est le plus important. Donc le foulard, il doit faire, pour moi, il doit être carré. It has to be squared. And I usually take them 1 meter by 1 meter. Je les prends en général de 1 mètre sur 1 mètre. And it has to be very thin, very thin. So il doit être très fin, just like silk, comme de la soie. So don't only buy silk scarves. It will be so expensive. I mean, this is crazy. I mean, if you have the money, go for it, of course. Donc ça doit être comme de la soie, mais alors n'achetez pas forcément que des foulards en soie, ça va vous coûter une blinde si vous avez l'argent, mais allez-y, profitez-en. Donc voilà, ça doit vraiment être très fin et de type soie. So very thin and silky type. 1 mètre sur 1 mètre, 1 meter by 1 meter, squared, carré. And the second accessory you will need, which is so useful and you will not be able to do the scarf without it, vous ne pourrez pas faire la coiffure du foulard sans, c'est une barrette en fer. It's a hair clipper, an iron hair clipper, because it has a lot of strength. Il doit y avoir beaucoup de... Elle doit être très forte, vraiment, elle doit pouvoir tenir tout le foulard. Toute la coiffure, vraiment. It has to hold all of your scarf, so you're not. I mean, you can be safe. It can be windy. You're going to the fun fair. Vous allez à la foire. Il y a du vent. Vous voulez faire des manèges. Faites ce que vous voulez. Ça tiendra. It will always hold. I can promise you. So mine is iron and it has 4 teeth. La mienne est en fer et elle a 4 dents. But you can have 6 teeth, it's even better. Si vous avez 6 dents, c'est encore mieux. So yes, these are the two accessories needed. An iron hair clipper and a scarf, silky scarf. Donc une barrette en fer et un foulard de type soie. Alors donc, pour commencer, je vais vous montrer. Alors, je vais me lever, ce sera beaucoup plus facile. So, you take your scarf, vous prenez votre foulard, which is squared, et en fait, vous le pliez en deux.
You put it in two, okay? Just as a triangle. It has to be a triangle. Ça doit faire un triangle. Et une fois que vous avez ce triangle, vous le mettez sur votre tête tout simplement. Once you have this triangle, you just put it on your head, very easy, like this. Moi, je le mets à peu près ici sur le front. So I put it here on my forehead. And then you take the scarf on the back and you hold it very tight on a side. Vous le tenez très fort sur un côté. Et voilà, vous le mettez comme ça à l'arrière. Surtout, vous ne le lâchez pas, vous continuez. So once you have it this way on your forehead, une fois que vous l'avez comme ça sur votre front, en fait, vous allez par derrière lier les deux pans et vous prenez tout. Vous prenez la totalité du foulard et vous le ramenez d'un côté. Donc, ce sera le côté de votre préférence. Hein. Moi, je le mets toujours de mon côté gauche parce que je suis droitière. Donc, c'est plus facile. I always put it on my left side because I'm right-handed, so it's way easier for me. So, if you're left-handed, I think you're gonna do the contrary. Et une fois que vous avez tout ramené, en fait, vous faites sortir les petits pans qu'il y a devant. Once you put it on the side, you took the smaller scarf pieces and you put them just on the front and you leave the longer ones on the side, on the back. Vous laissez en fait les longs pans derrière et vous mettez les petits devant tout en faisant attention de bien tenir votre foulard ici. Be careful, always hand your scarf. So there. Once you hold it well, you take your hair clipper, the silver one, the iron one, sorry. Vous prenez votre barrette en fer et en fait, vous prenez tout et là, vous n'avez plus besoin de vos mains. So you don't need your hands anymore because the iron clipper holds everything at the same time. Et ensuite, vous prenez les longs pans. And then you take the long pieces. Vous prenez le plus court. You take the shorter ones at first, not the longer. See, I have two. You take the shorter. So you take the shorter and you do it all around your head. Vous le mettez tout autour de votre tête. Et celui-ci sera trop petit pour qu'il soit pris dans la barrette. This one will be too short to be in the hair clipper. I mean, it can be longer if you have a longer scarf. Ça peut être plus long si vous avez un foulard plus long. And then you take the long one. Et ensuite, vous prenez le plus long. And you do exactly the same. Vous faites exactement la même chose. Et en fait, vous venez l'attacher avec le reste. And you tidy it up with the rest. Like that. To make it even more beautiful, pour que ce soit plus joli, vous faites en sorte de tout faire ressortir. To make it even more beautiful, you pull all the scarf pieces in the front and you're done. And this is it. And you can do whatever you want, it will hold. I mean, the iron clippers are everything. They do everything. So as long as you have the iron clipper, you're gonna be safe and it's not gonna move. I mean, it's going to be held and you will have no problem. Si vous avez la barrette en fer, tout tiendra, vous avez aucun problème. Je veux dire, là, ma tête est condensée. Sometimes I have difficulties to hear what people tell me. Des fois, j'ai du mal à entendre ce que les gens disent tellement c'est bien, mon oreille est bien enfouie. Donc voilà. So yeah, so that was the first video I wanted to show you. C'était vraiment la première vidéo que je tenais à vous montrer parce que beaucoup m'ont demandé. So I hope you enjoyed it. I hope it was not too hard. J'espère que ça n'a pas été trop difficile, que vous avez compris. Parce que pour moi, c'est une habitude que j'ai depuis que j'ai 13 ans. En fait, j'ai inventé ce système toute seule.
It's something I'm used to doing every day since I was 13, so it's really easy for me. So if you want another video, if you have any more questions, don't hesitate, I will do something more. N'hésitez pas, la moindre question, je ferai une autre vidéo, je vous expliquerai mieux, il n'y a pas de souci. I'm just starting here, je ne fais que commencer dans ce domaine, donc voilà, n'hésitez pas. Je vous embrasse de tout mon cœur, vous êtes tous beaux, vous êtes tous magnifiques, et puis sortez de chez vous. Vous êtes beau.